It was 100 degrees. Salut tout le monde, c'est Célène, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de sortir de la douche, mais non, c'est la sueur, il fait super chaud, même si dehors il fait bon. Voilà. Juste deux petites informations, je suis vraiment désolée pour mon absence sur YouTube, mais j'ai eu des problèmes de wifi et puis j'ai aussi eu des problèmes personnels qui font que j'ai pas voulu déjà poster des vidéos où je faisais la gueule, hein, parce que ça m'arrive pas souvent et j'ai pas envie. Oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un produit que j'ai beaucoup aimé. Non, non merci. Ensuite, il y avait un jour où j'avais filmé 4 vidéos de suite et je trouvais que c'était pas super super de les poster en fait... à la suite, vu que j'étais habillée, coiffée, pareil. Donc voilà, j'ai vraiment pas voulu vous imposer ça. Surtout que c'était surtout des revues. Donc les revues, c'est pas vraiment les vidéos que je préfère tourner et que je préfère regarder. C'est bien quand on va avoir un avis, mais trop de revues, voilà. Je trouve que c'est un petit peu chiant, donc voilà. Je préférais un petit peu attendre et vous filmer de nouvelles vidéos où je suis au maximum de ma forme, on va dire ça comme ça. Je lui... C'est génial, je lui. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le tag les youtubeuses que j'aime pour. Alors j'aimerais déjà préciser que je suis pas mal de youtubeuses sur YouTube. Normal. Avant de commencer ma chaîne YouTube, c'est vrai que je regardais surtout les grandes youtubeuses, genre Enjoy Phoenix, enfin tous les gens que tout le monde connaît. Et depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube, je m'intéresse vraiment aux gens un petit peu plus... qui sont moins connus, on va dire, ceux qui ont entre 0 et 500 abonnés. Je trouve qu'ils font parfois des trucs tellement bien et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas plus connus que ça. Donc c'est un petit peu de dont je vais vous parler aujourd'hui. Trêve de blabla, alors c'est pas très très clair. Hein. J'ai fait une petite petite liste pour pas trop me bourrer. Mais c'est pas clair du tout. C'est tout moi, on va dire. D'abord, je m'excuse. Je suis environ plus de 100 personnes sur YouTube actuellement, il me semble, 100 personnes. Et si je vous suis, c'est que je vous aime. Généralement, je regarde vraiment toutes vos vidéos. Je commente, généralement. Et je mets même petit pouce vert, même si parfois j'oublie. Oups. Mais c'est vrai que j'aime vraiment ce que vous faites. Si je vous suis sur YouTube, c'est pas pour rien. C'est pas comme ça. Il y a vraiment une raison. Mais il fallait que je vous parle... voilà, de mes chouchous. Bien sûr, de une, j'ai triché. Et de deux, j'ai inventé des catégories et j'en ai supprimé d'autres. Voilà, voilà. Et encore une chose, je regarde pas vraiment une youtubeuse que pour une seule chose. Je vais pas regarder une youtubeuse parce qu'elle est belle. Je vais vraiment regarder l'ensemble, donc c'est vrai, c'est un tag un petit peu difficile, je trouve. On commence? Oui, oui, on commence tout de suite. Donc la youtubeuse, les youtubeuses que j'aime pour ces techniques de maquillage, c'est en premier lieu Chloé Morello. Donc oui, c'est quelqu'un de connu. C'est une youtubeuse australienne et c'est elle qui m'a un petit peu tout appris en maquillage. C'est vrai, j'ai appris à me maquiller sur YouTube. Et je crois que c'est la première youtubeuse que j'ai appris à suivre, on va dire. Et franchement, elle est juste géniale, elle m'a vraiment tout appris. Et je l'adore, j'aime beaucoup comment elle parle. Même, je suis désolée, mais quand on regarde des youtubeuses australiennes, américaines, on comprend quand même parce que ce sont les gestes qui sont importants, on va dire. Et je trouve vraiment ça dommage parce que maintenant, elle est devenue assez célèbre comme youtubeuse et du coup elle fait les trucs sur fond blanc avec une tonne d'éclairage et moi j'aime bien quand les youtubeuses elles sont proches de nous, qu'on a l'impression qu'on peut leur parler, que voilà, c'est une amie pour nous. Et c'est vrai que depuis qu'elle est super connue, ben c'est pas trop ça, donc je regrette un petit peu le temps parce que je la suis vraiment depuis ses tout débuts où elle était pas encore trop connue, donc voilà. Bref, la deuxième youtubeuse que j'aimerais vous parler, c'est une youtubeuse, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a pas plus d'abonnés, parce qu'elle est juste géniale. Il s'agit de Léa Botti. Elle est super mignonne, elle est trop chou et puis elle fait des maquillages mais absolument magnifiques. Magnifique, magnifique ce maquillage. Vraiment, je suis toujours... waouh. Waouh, 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 c'est trop bien. Bon, c'est vrai que quand j'essaye de les refaire sur moi, ça donne pas la même chose, mais voilà. C'est vraiment quelqu'un de génial et je comprends pas pourquoi elle a pas plus d'abonnés, parce qu'elle donne vraiment des super conseils et elle montre et explique très 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 bien. Passons à la catégorie suivante. Donc, celle que j'aime le plus pour sa bonne humeur, donc j'en prends une connue que j'ai découvert grâce à justement ce tag les youtubeuses que j'aime pour, et c'est le monde de Loka. Je sais pas
où je pourrais mettre Loka. Mais cette fille, elle est complètement déjantée. Allez voir ses vidéos, c'est juste du fun. C'est juste, on rentre d'une journée vraiment où on a eu... On en... 1, 2, 3. On rentre d'une journée où on en a eu vraiment marre, on n'en peut plus. On s'assoit, on regarde une vidéo du monde de Loka. C'est juste trop bien, ça change trop les idées. Et puis c'est vraiment pas long, donc c'est vraiment excellent comme vidéo. Elle a une bonne humeur et un humour fantastique. Donc voilà, le monde de Loka. Ensuite, Sandrine Elfiot. Sandrine Elfiot, qui est une youtubeuse dont je vous parle dans une autre vidéo, donc je vais pas trop essayer de me répéter, mais Sandrine Elfiot a déjà parlé de moi. Juste petite anecdote, Sandrine Elfiot a dit que j'étais gentille comme fille. Voilà. Généralement, c'est ce que les mecs me disent quand ils veulent pas de moi. Célène, tu la trouves comment? Ben, elle est gentille. Voilà, c'est le mot pour dire elle est moche, elle est pas très intéressante, mais elle est gentille. Merci Sandrine. Non mais je sais exactement ce que tu penses de moi, je pense. Mais ça m'a fait tellement rire quand j'ai entendu ça que voilà. En tout cas, moi je t'adore et c'est vraiment une youtubeuse pour sa bonne humeur, sa joie de vivre. Franchement, elle fait des vidéos assez longues et je m'arrête pas, je regarde du début à la fin vraiment en étant subjuguée par ses vidéos, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'aimerais vous parler de Grace Belaïche. Je sais pas comment ça se dit. De toute manière, je mettrai tout ça en barre d'infos. Et elle fait sa chaîne, c'est un petit peu du savoir-vivre, c'est des conseils pour aller bien. Et je trouve vraiment que malgré le fait qu'elle ait une qualité de son un petit peu pourrie, j'adore ses vidéos, j'adore la regarder, c'est vraiment du concentré de bonne humeur. Et voilà, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui est très gentille. Non, qui est vraiment formidable, voilà. Les youtubeuses que j'aime pour l'humour, et j'ai mis pour l'humour le blabla, Mia Pim. Mia Pim vient de Nancy, où je suis actuellement, big up de Nancy, je l'adore. Elle fait du blabla, mais ça me fait tellement rire, j'ai déjà eu tellement de fou rire. Il y a tellement de youtubeuses drôles en fait, mais j'aimerais, c'est celle qui me vient le plus à l'esprit, parce que j'ai vraiment eu des fous rires excellents en regardant ces vidéos, c'est pas possible. Blue Cupcake Fish, ne t'inquiète pas, tu arrives, hein, tu arrives, parce que c'est vrai que Blue Cupcake Fish, je vais en parler tout de suite, son humour, j'adore cette fille, je vous en parle juste après. La youtubeuse que j'aime pour son naturel, c'est une youtubeuse que je connais depuis pas tellement longtemps, et elle s'appelle Ludivine, et sa chaîne c'est Ludili. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait des vidéos très simples mais à la fois très... Je l'aime bien, cette youtubeuse. Et ça se voit qu'au fur et à mesure des vidéos, elle est de plus en plus à l'aise devant la caméra et elle s'exprime de mieux en mieux. Et en plus, enfin, moi je la trouve vraiment jolie et agréable à regarder, donc voilà, pour son naturel. Voilà, je pense que oui, Ludili. Quelqu'un que j'adore tout particulièrement, même si on se connaît pas depuis super longtemps. En même temps, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube non plus. Bref, la plus originale. Oui, Blue Cupcake Fish, c'est toi la plus originale. Alors, pour vous parler de Blue Cupcake Fish, je vais pas révéler ton prénom parce que j'aurais même peur de l'écorcher. Et puis voilà, on ne sait jamais. Je l'adore, cette youtubeuse. Elle est originale, alors déjà parce que... elle parle plusieurs langues, je sais même pas combien t'en parles en vrai, hein, de toute manière. C'est un petit peu une... voilà, hein, une fille détestable qui parle plein de langues. Et en fait, elle a décidé de faire ses vidéos en français et en anglais avec des sous-titres. Je trouve ça vraiment juste génial. Ses vidéos sont assez courtes. Moi, j'aimerais bien qu'elles durent plus longtemps, mais bon, on peut pas tout avoir. Je suis toujours pressée de voir ses vidéos. Elle a une bonne humeur, un humour bien à elle. Elle est super jolie aussi. Perfection. Que dire de plus, là aussi je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a pas plus d'abonnés, parce qu'elle est vraiment juste fantastique, et c'est quelqu'un avec qui je discute et c'est vraiment quelqu'un qui est, c'est quelqu'un de bien, ça se voit, et moi je l'adore, et voilà, je pense que c'est assez compris. Donc allez voir sa chaîne, parce qu'en plus les vidéos qu'elle fait sont juste géniales, que ce soit ses revues, ses vlogs, je vais y arriver. Toutes ces vidéos sont vraiment très bien. Moi, j'adore. Elle est originale, elle est parfaite. Voilà. Alors, les youtubeuses que j'aime le plus pour
leur beauté. Leur beauté. Que dire? Je vais prendre plusieurs catégories en fait parce que j'ai vraiment pas su me décider. Généralement, je trouve que toutes les youtubeuses que je suis sont assez jolies, ce qui est un petit peu énervant, mais bon, hein, fait avec ce qu'on a. Donc, dans la catégorie un petit peu plus jeune que moi, je crois, je sais plus exactement quel âge elle a, je dirais défaut impeccable parce que vraiment je la trouve jolie et elle est jolie naturellement. C'est-à-dire qu'elle se maquille pas beaucoup, mais je trouve qu'elle est juste trop jolie. Que dire de plus? Je dirais aussi, donc dans la catégorie de mon âge à moi, je dirais Elle Symphonie. Elle me fait penser à quelqu'un cette fille, mais je ne sais pas qui, mais je la trouve vraiment très jolie et très douce. Donc voilà, tu es jolie. Tu es jolie. Ensuite, dans les youtubeuses connues, parce qu'il y en a quand même que je regarde, je suis subjuguée par leur beauté, je dirais MS Caroline. Il y a des numéros derrière, je les connais pas. MS Caroline, qui est aussi une youtubeuse vraiment très drôle, formidable, hein, qui, j'adore son style vraiment, et elle est très jolie, je trouve elle a un style bien à elle, quoi, et ça, j'adore, son originalité est incomparable de toute façon. Et il y a aussi une ancienne candidate de Miss France qui fait des tutos sur YouTube qui s'appelle Kelly Botchenko. J'adore ses vidéos et je trouve qu'elle est vraiment très jolie naturellement aussi. Donc voilà pour ce qui est de la beauté sur YouTube. La youtubeuse que j'aime le plus pour sa douceur, c'est Beauté Or. J'adore cette youtubeuse, elle est vraiment calme, posée. Que dire de plus? C'est vraiment à chaque fois un plaisir de regarder ses vidéos et puis on apprend des choses aussi. Je trouve que c'est bien d'apprendre des choses dans des vidéos, de voir des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs, j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est quelqu'un de très joli aussi, de très posé, de très... C'est une youtubeuse que j'aime, je pense que vous l'aurez compris. Allez voir sa chaîne pour découvrir par vous-même, parce que de toute manière, c'est un peu pas possible de décrire une youtubeuse en quelques mots. Ensuite, quelle youtubeuse aimes-tu le plus pour ses hauls? Alors, je dirais que la youtubeuse que j'aime le plus pour ses hauls, c'est Sanana7106. C'est une youtubeuse, je l'aime pour tout, mais quand je vois son dressing et son maquillage, j'aimerais aller chez elle et la cambrioler même si on fait pas les mêmes tailles. Franchement. Tout ce qu'elle achète à chaque fois, je suis là, devant mon ordi, je suis là, il me faut. Et à chaque fois, c'est vraiment trop drôle. Je la déteste parce qu'elle me donne envie d'essayer des nouveaux trucs, elle découvre des trucs et puis à chaque fois, j'ai vraiment juste tout envie d'acheter, donc c'est vraiment... Voilà. Mais je l'adore et puis je la trouve trop belle et puis j'adore comment elle se maquille, j'adore comment elle est. Elle est très gentille. Sananas2106, je pense que c'est ma youtubeuse préférée. À ce niveau-là en tout cas. Il y a aussi Caroline Girly Tips. Elle a pas fait beaucoup de vidéos mais il me semble que c'était une blogueuse. C'est une blogueuse. Et son haul des soldes m'a aussi juste donné envie de tout acheter. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de fille que je déteste. Voilà, je les déteste. C'est pas vrai, hein, mais voilà, c'est vraiment des hauls que j'aime bien. Quelle youtubeuse j'aime le plus pour son côté mignon? Alors, j'ai inventé ce truc-là, ça fait con quand je le dis maintenant, mais j'ai vu qu'il y avait de plus en plus youtubeuses d'un âge qui sont au collège, on va dire, qui se lancent sur YouTube. Je sais pas trop quoi en penser, parce que moi, déjà à cet âge-là, j'étais grosse. J'avais un appareil dentaire, des lunettes, des cheveux jusqu'aux fesses, enfin bref, je pouvais, même si j'avais voulu être sur YouTube, voilà. Et je pense qu'il faut avoir vraiment une certaine maturité pour être sur YouTube et ne pas avoir à s'en faire du regard des gens, je pense. Voilà, donc la youtubeuse jeune que j'apprécie et que je suis, parce que pour moi c'est un petit peu comme une petite sœur sur YouTube, c'est le monde de Nina, parce que je trouve qu'elle est vraiment très mature pour son âge. Elle est toute choupie. Là, elle est choupie. J'aime beaucoup ses vidéos. Franchement, elle fait preuve d'un certain professionnalisme pour une gamine de son... Pour une gamine. Une pré-ado, une ado de son âge. Voilà. Et puis, allez sur sa chaîne, regardez, dites-lui ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est une jolie personne et je pense qu'elle mérite d'avoir confiance en elle pour la suite.
la youtubeuse que j'apprécie le plus pour sa voix. Et je vous en ai déjà parlé de toute façon, il s'agit donc de Perfect Space. Je l'ai bien dit, hein. Voilà, je l'aime pas seulement que pour sa voix, je ne savais pas où la mettre et il fallait que je vous en parle, donc voilà, j'ai inventé une petite catégorie sympathique. Donc voilà, j'adore ce qu'elle fait, j'adore vraiment les conseils qu'elle donne, les revues qu'elle donne. J'apprécie vraiment, je la trouve jolie. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc je ne saurais pas quoi dire de plus sur elle, mais voilà, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Enfin, pour ses conseils, la youtubeuse que j'aime le plus, c'est Hope and Dreamful. Déjà, Hope and Dreamful, je la trouve juste trop trop bien. Manu, parce que elle a été là dès le début pour moi, et les débuts sur YouTube, c'est tout sauf facile, vraiment. Quand vous postez votre première vidéo, que vous n'avez pas d'abonnés, que vous n'avez pas de vues, et que vous êtes là à attendre, je peux vous dire que la première personne qui met un commentaire, vous avez envie de l'embrasser. Et il me semble que c'était Hope and Dreamful qui m'a donné, qui m'a encouragée par la suite, qui m'a donné des petits conseils, et je trouve ça super sympa. Et donc, pourquoi ces conseils? Parce que c'est le genre de youtubeuse à faire des vidéos sur lutter contre les insectes, ou le mal des transports, les coups de soleil et compagnie. Et je trouve que c'est des vidéos qui sont intéressantes et qui peuvent plaire, et puis elle en parle très 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 bien. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tag, j'espère ne pas avoir été trop longue, et je suis vraiment super contente d'avoir fait cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas tourné, une semaine je pense. Donc voilà voilà, écoutez, je pense que dans mes abonnés, ça me plairait vraiment de découvrir moi aussi à mon tour des youtubeuses ou des youtubeurs d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais il y a aussi des youtubeurs. Et si jamais vous avez envie de faire ce tag, je tag absolument tout le monde, et bien faites-le pour que je vois si vous avez un petit peu les mêmes goûts que moi ou pas. Donc voilà, moi en attendant, je vais prendre une douche pour la 6e fois de la journée. J'exagère à peine, et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, bye !